vers toi la régata, Vendée Globe 2020, journal de bord, jour numéro 16. Voilà. Donc, je vais vous montrer quelle a été ma trajectoire pendant ces 5 derniers jours. Ça a été une trajectoire assez droite. Enfin, je suis quand même plutôt allé vers l'ouest. On va dire. J'attendais à peu près les évolutions météo, hein, voir où j'en serais. Alors ça, c'est la course en réel en orange, hein, c'est parti. Vous avez ce que je vois, hein, et d'autres là, qui sont par là souvent. Donc voilà les conditions météo. Comme je suis à peu près à ouais, un peu moins de 20 heures derrière la flotte, je n'ai pas eu de problème de vent aujourd'hui, puisque j'arrivais derrière. Donc moi, de toute façon, je n'ai qu'un chemin, hein, ça va être de descendre, hein, directement. Et puis, on va essayer de descendre et puis de repartir comme ça, quoi. Ça me donne à peu près ça, bien que je ne suis plus trop depuis quelques jours le routeur. Je me suis fait ma route moi-même, on va dire. Je n'ai pas cherché à suivre les indications, même regarder le routeur ou alors même les autres concurrences qu'ils ont fait. Je me suis occupé que de moi. Oh, je suis 115 millième. Pas terrible. J'avance à 9,4 nœuds. Je sais pas beaucoup si enfin, je sais pas si je vais rattraper beaucoup de monde. Sûrement pas. Bon, de toute façon, tout ce que j'ai à faire moi, c'est me retrouver descendre, quoi. J'ai pas de choix stratégique important à faire là. Je ne peux que descendre et espérer choper du bon vent. Ici. Donc on verra s'il y en a qui commencent à descendre, mais bon, je pense qu'ils vont quand même pouvoir revenir vers là. Donc d'un côté, moi, j'ai pas à réfléchir, je vais tout droit, je perds pas de temps. Mais bon, j'avance pas des masses non plus. Donc on va essayer de faire ça, descendre pendant 24 heures. Arriver à choper les meilleurs vents à 36 heures pour descendre. Voilà. Donc, pour l'instant, je suis en course d'attente. J'attends de pouvoir bénéficier de meilleurs vents que le groupe devant. Après ça va, je suis pas largué. J'étais beaucoup plus largué il y a 4 ans, il y a 8 ans. Donc ça va. C'est dur. Surtout qu'on n'a pas toutes les voiles. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. Voilà. Allez, bonne chance à tous. Et puis à bientôt dans les mers du Sud. Ciao.